Désir Venesse et Zami Eternaut, nous laissons dire que nouveau PM, Alix DJ Fizeme, monsieur qui installé lundi 11 novembre 2024 dans la villa d'accueil en présence de 9 conseillers présidentiels et en présence de tous divers ministres qui étaient fait partie du gouvernement et Gaï Konilan, gagné représentant divers et ambassadeurs qui étaient présents. Gagné tout représentant divers dirigeants partis politiques parmi eux Maris Nars qui est présent. Gagné présence tout et DGA et la police Ramon Amil. Et puis mettez avec Godfrey Otongue qui est présent parmi moun qui est présent dans l'installation. Nouveau PM Alix DJ Fizeme. Et nouveau PM, non, monsieur dit que gagné deux gros chantiers Captain Ni. C'est sécurité et puis organiser élection. Deux gros chantiers à attendre, sécurité et puis organiser élection. Et il fait qu'on est que livré aux pensées spéciales jeudi pour moun qui mouri dans Solino, dans Arcaye, dans la Tibonite, dans divers côtés en notre pays et selon Alix DJ Fizeme, il dit que il n'y a aucun clan politique, il n'y a aucun chapeau politique. Pas une question de nèg en haut, nèg en bas. Il vient là pour le capable mettre ensemble avec KPT1, pour le capable griver, établir sécurité, organiser élection et remettre pays à sous progrès et développement. Désir Venesse, pendant que nous avons dit, dans le mouvement que Bandi Vivant Samuel a fait lundi 11 novembre, non, et bien, il y a un pile incident grave qui arrive, côté que il y a un avion compagnie Spirit et bien, qui recevra plusieurs balles pendant que le tapral atterri dans l'aéroport international tout c'est l'ouverture mais côté que eh bien li pa ka atterri il était obligé à faire un atterrissage forcé dans et domaine et côté ça li vraiment créé gros panique et toute ligne compagnie aérienne qui fait vol de États-Unis de la France de Haïti à Haïti Port-au-Prince mais yo campé tout vol sous Haïti après incident ça fin rivé qui donc est-ce que nous va retourner pour vivre même genre de situation ça yo et qui moun qui comprend que ça criveyan mais gè de men caché derrière gè moun qui dit que ça criveyan li gè de bras politique qui ta lié avec lui est-ce que c'est vrai ou pas moi ak des civils pour analyser dossier ça yo désigné émission matin la situation en pile moun gade Didier Alix Fizeme qui installé comme yon figi sous scène politique là même jan dans secteur économique là pour certains et bien pral gagnon vengeance économique en dedans pays par rapport avec secteur privé qui pratiquement sous sanction et Nations Unies à cause yo di yo gen men trempé dans question insécurité qui gagne en dedans pays en pile là sous sanction et pas oublier Alix DJ Fizeme c'est yon nan toro qui était participé dans dernière élection yo et au Sénat de la République qui pas privé brio poste à pouvoir ça qui pas dans pays a qui vini et en pile monde déjà posé cette question qui ça expliqué ensemble et chef gouvernement yo les y a vini c'est des États-Unis d'Amérique qui ont sorti. Est-ce que mission que vous gagnez, est-ce que vous pouvez exécuter envers le pays d'Haïti? Blaise Peterson, un pile figui, t'es marqué absence, même j'ai un bon paquet qui t'es marqué présence, non, et prise de pouvoir, et Alix DJ Fizeme comme premier ministre. Ambassadeur pays Canada, nous t'es capable, monsieur, t'es présent, même j'ai un responsable mission, et directeur général, la police, qui t'es répond présent. Qui ça veut dire? Et monsieur Vivant Samyo, t'es activé dans divers axes. Gain l'autre territoire qui a peine perdu. T'as couvert parisien qui n'en met, n'est Vivant Samyo, surtout 400 Marozo, qui t'a fait stratégie pour déprendre contrôle l'espace. Y'a eu de prendre contrôle lui, dans journée, ailleurs, à plein de personnes. En pile inquiétude et papier sous pays. C'est vrai que Gary Koni, t'es écrit en correspondance avec le directeur presse nationale là, Ronald Saint-Jean, pour te dire, puis qu'elle t'a publié. Correspondance qui a été voyée par le côté, tu as une résolution. 8 conseillers sous 9 signés pour te limoger, pour te retirer Gary Koni. Et bien, Gary Koni, après correspondance, selon l'information que nous disposons de la situation, lui remet ensemble machine qui était en possession dans le cortège de la situation, selon l'information qui revient nous. Pour certains, dans l'évaluation qui a fait de Gary Koni, pour pratiquement 4 à 5 mois qu'elle fait dans tête primatia, yo qualifié de yon bilan qui léger coupaille que Gary Koni rive connaît parce que te gen trop bataille, te gen trop goumè entre des têtes exécutives. Est-ce que problème n'a tout résout? Tant que Gary Koni te dit, retirer 4 ministères égaliens, est-ce que c'est lui qui va le permettre que moun qui n'a qu'un yo capable de retourner la caille? Est-ce que ensemble territoire pour le récupérer? Si vous regardez, Didier Alix Fizeme, monsieur crié,
pendant l'installation, est-ce que cri ça, c'est un cri pour passer peuple haïtien en bêtise ou bien c'est pour pratiquement continuer et arranger pour rendre le territoire qui perdu, rendre la situation économique, politique, sociale, sanitaire la plus difficile dans la situation. Et moi-même, je n'ai plus quand même que je viens avec un pile qui est le chef en Haïti, c'est que les soit à bon nombre de compatriotes dans le pays, il y a à l'étranger et les opérateurs chefs, ils ont voulu au côté OIA pour pouvoir diriger le pays. Moi-même, je qualifié, quel que soit le comportement, Gaïe Koni comme le fait qu'il était, et KPTA comme le fait qu'il était, et fini avec Alix DJ Fizeme. KPTA toujours là, pas mettre KPTA au passé, KPTA toujours là. KPTA le fait qu'il était, et Gaïe Koni tout, et le fait qu'il était selon le monde qualifié. Et Alix DJ Fizeme comme bluffer au qualifié. Gaïe qui va dire, mais blesse, on va pas dire, Gaïe Koni est bluffer. Non, parce que comme vous dites ça, ma belle raison claire. Gaïe Koni pas qu'à dire, après 11 ou 12 l'année qu'elle fait pas dans le pays, hein, la vie prend un job premier ministre parce que depuis fin année 2023, zone novembre, zone décembre 2023, était déjà des plans pour que vous te connaissez que Ariel Henry pas là encore. Elle dit que déjà des arrangements que tu as fait pour que Gaïe Koni soit capable de premier ministre. Et Kounia, les que Gaïe Koni vient prendre job là, Livin Zouke, chef cabinet, qui c'est Nesli Maniga, afin qu'on ait que, et Gaïe Koni, communauté internationale, il était sous-estimé, il était sous-évalué, et ça, il en Haïti, moi, trouvé c'est menti, moi, trouvé c'est bluff que lié. Et là que Gaïe Koni a marché dans toute radio, dans tous les médias, a payé des plaignants, oh, et comment, la police a sous-équipé, la police a ceci, la police a cela, la police a ceci, l'autre bord. Moi estime que je dis hein, c'est comme quand on dit que ou dit que ou ka fait travail là ou pas mandé moyen pour faire travail là et ou dit ou ka fait qu'on a l'os sous chantier hein, ou pas ka fait travail là aujourd'hui faire là qu'on a plaigné alors que mettre cavala te dit que qui sera besoin pour faire travail là ou dit moi est-ce que vous pas qu'il est dévi est-ce que Gaïe Koni va faire dévi ça m'a dit à quelqu'un qui comprend ni est-ce que Gaïe Koni pas fait des vies avant que le devait prendre job PM non pour le dire que genre que situation lui même lié et qui ça l'a besoin est-ce que KPT en tout lui même que je dis à m'attendre Leslie Voltaire qui a présenté 6 mois bilan KPT a toujours m'a dit que est-ce que Leslie Voltaire pas dans pays est-ce que et comme si ensemble de même KPT pas dans pays est-ce que vous pas attendez est-ce que vous pas trois ça qui a passé en Haïti elle avait dit ni capeta sous bluff lié parce que en pile là même capeta yo yo t'a vivre y a vivre en Haïti qui yo t'attendez et yo t'ai ouais ça qui a passé en Haïti hein. Les jodiens là Leslie Voltaire a parlé de bilan 6 mois capeta hein, parce que le gouvernement qui t'ai Gaïe Koni dans tête li qui pas bail résultat m'a dit que c'est échec échec Gaïe Koni li c'est échec capeta en tout. Parce que c'est aux deux hein, qui c'est deux têtes exécutives là et c'est aux deux qui vous travaillent pour obtenir un résultat que ça a été dit il y a bien comme résultat. Et donc comment on veut dire Kounia avec Rivé Alix DJ Fizeme. D'ailleurs comment on va comprendre Alix DJ Fizeme monsieur déjà montré que qui est-ce qui voyait il déjà montré que qui ça l'a venir faire comme travail parce que où elle dit pas gain mon en haut pas gain mon en bas. Parce que l'Igeta connaît que pays, hein, société, hein, connaît c'est la classe bourgeoisie que vous voyez. Vous comprenez bien ça, me dit, hein? Alix DJ Fizeme, dans le propre discours qu'elle fait, dans l'installation, je viens le dire, hein, lui déjà montre que, mais qui est-ce qui met lui, mais qui est-ce qui voyait, et lui prête fait travail, met lui. Même gens, que Gaïe Koni, que en plus monde qui te comprendre que c'est blanc te voyel et t'a vu fait travail blanc peut-être Macron est qui est dans groupe blanc que Koni te gagne derrière et ben blanc que Koni te gagne derrière yo pas fort que passer blanc qui derrière capeté parce que blanc qui derrière capeté a plus fort c'est pas parce que pas fort blaise c'est pas parce que pas fort moi blanc vinn laguer Gaïe Koni dans route parce que Gaïe Koni dans dernier sorti dans forum qu'elle te fait dans question blanc moi en pile dans nous te cabré macré que Gaïe Koni met un secret dehors sans doute qu'il doit frasser petit groupe blanc ça pour date bataille là ensemble conseiller présidentiel de cap la décision déjà mais il pas de jeune appui par rapport avec Gaïe Koni qui déclarait que communauté internationale la balle menti sous support de promettre pour te bali pour résoudre et de résoudre problème de sécurité
Yo te promettre hélicoptère, yo te promettre drone, yo te promettre les armes, yo te promettre les moyens nécessaires pour la police acclamée. Blaise, si vous regardez, vous avez deux têtes exécutives, c'est deux droites parallèles qui ne peuvent jamais, rencontrer. Gary avec KPTA. Songez que KPTA a signé pour mission multinationale là. Mais si vous regardez Gary Conny, vous avez Gary Conny, notre démarche parle, c'est remembrer la police nationale d'Haïti. C'est remembrer totalement, rééquiper. Normalement, l'armée d'Haïti permet que vous ayez moins dans mes yeux. C'est pour ça que Gary Conny fait des visites en Arabie Saoudite, Baronet. Émirats Arabes Unis, disons, pour aller chercher des contacts, pour aller garder, pour voir qui ça a fait. Nations Unies, ballon réponse. Dans même semaine, non. Renouveler question embargo sur question ZAM sous pays. Je tiens à blesser personne. Conseil présidentiel, prêt ou bail tout ça que la communauté internationale a demandé. Pas oublier, il y a trois inculpés. Tout le monde a gardé niveau arrogance, calconi face avec conseil présidentiel transition. Je dis, qui est-ce qui mérite plus gros peine? Un homme qui est arrogant face à une équipe volée, et puis volée qui pratiquement a sanctionné le monde qui est arrogant. Trois conseils présidentiels épinglés, non question corruption, qui lié avec BNC, qui c'est une banque l'État qui est dans le pays, quand tu as exigé un président conseil d'administration pour avoir l'argent. Comme si la société haïtienne, croise bras, yo d'accord, yo observé, petit groupe mafia, entendre yo avez plus de pouvoir, vous avez plus de terrain, yo kembe trois conseillers, et puis vous avez fait bien cherche. Yo si, hein? Dans la résolution qui a gagné, il y a présent dans l'installation du gouvernement. Qui ça nous dit non? Est-ce que le monde a boumé contre la corruption? Les États-Unis, le Canada, qui derrière ça a passé en Haïti, ils ont mené la lutte contre la corruption dans le pays. Et puis ils ont encouragé ça en bas de nous. Nous, même peuple haïtien, nous croisons les bras, nous regardons. Blaise. Ça veut dire, je dis, là, ça va nous comprendre très bien, c'est que. Et est-ce que problème non libéral résout ou dis-moi est-ce que avec rivé Alix Didier Fizeme bagarre plus ou moins amélioré, mais peuple haïtien attend, peuple haïtien espérer que avec rivé Alix Didier Fizeme qui va exécuter feuille de route et à contre avril an, et bien pour qu'elle capable lui-même et bail résultat comme Alix Didier Fizeme clairement dit que. Et il y a deux gros chantiers Captain Ni qui c'est sécurité avec organiser élection, mais peuple haïtien attend que vraiment que y établisse sécurité dans le pays. Est-ce que par contre ça slogan visé mes appralier mais désir au quand on fait au quand on fait comme remarque dans le moment que visé mes a fait discours où est son nèg qui va même préparer pour devenir premier ministre. Il bat au courant. Et puis, il m'a dit, c'est ma bon job. Et dégage un bon job là. Parce que même si ce qu'on a mis sur l'Ian, monsieur, c'est matin, pendant monsieur prend le lead, pendant monsieur arrive, et quelques minutes avant, il va monsieur dit ce qu'on a pour Lili. Parce que même dans le discours, monsieur a hésité, ça l'a dit, comme si, ou ça c'est bagaille, monsieur a lit pour lit, mais bagaille pas coordonné, et il n'y a pas de cohésion là-dedans. Yo. Bon, jusque là, il n'y a pas de problème. Mais où senti tout dans l'expression visage, monsieur, c'est comme si je mettais là pour me faire un job et puis il n'y a pas de si le job là bien fait, il fait. Si pas bien fait, il pas bien fait. Parce que je n'avais pas oublié. Monsieur pas dans le pays. Même avec les gars qui étaient là, monsieur pas dans le pays. Ben, monsieur, c'est dimanche qui était 10 novembre, non? Monsieur prend l'avion dans le cas Haïti. Lorsque le connaît, il n'y a pas de premier ministre. Est-ce que vous avez dit? En tout cas, désir, je vais vous entendre à Alix Didier Fizeme. Et puis, et en parlant de ça, l'équipe Guy Philippe, là, il a tout annoncé, tout désir, il a pris le mettre pied à terre. L'équipe Guy Philippe, là, a annoncé, il a pris le mettre pied à terre. Parce que. Pour ça, pour tout bon. Ah bon? Bah, on est pour tout bon, notre frère. Mais en tout cas, on dit que. Et il a pris le mettre pied à terre. On est là. Important c'est qu'on compte qui j'en désire qui va mettre pied à terre parce que vraiment pour avoir quand même et pas moi ce que moi même n'a pour me garder pour me donner pour information. On comprend? Entendez qui ça Alix Didier Fizeme lui-même, il gagne agenda pour que il capable mener bac primatia parce que désormais c'est Alix Didier Fizeme qui vient comme premier ministre paysan. Entendez. Monsieur le président du Conseil présidentiel, madame
messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, mesdames, messieurs les membres du gouvernement sortant, mesdames, messieurs les grands commis de l'État, madame la représentante du secrétaire. Et vous avez la désir. Blanc a pris, il a dit blanc. Quand vous la chita dans la salle, il a pris, il a chargé d'être. Général des Nations Unies, madame, messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur le commandant des forces armées d'Haïti, monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, monsieur le représentant des forces multinationales, mesdames, messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités, mesdames, messieurs, peuple haïtien, je voudrais adresser tout d'abord mes propos de remerciement au conseiller présidentiel qui, dans cette conjoncture difficile de la vie nationale, m'ont désigné comme premier ministre pour diriger l'équipe gouvernementale. Mesdames, messieurs les conseillers présidents, je vous assure que j'ai conscience que mon plus grand devoir sera de me hisser à la dimension de cette haute fonction dans un contexte singulier et exceptionnel. Je me montrerai digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je prends l'engagement devant vous, membres du Conseil présidentiel, et par-devant la nation tout entière, de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme éprouvé au service de la cause nationale dont le sauvetage est le défi. Mesdames, messieurs, nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Mais question militaire, le tu forger, va ça tout. Sécurité. Non, mais c'est son pays n'a fait désir. Son gars, d'accord, blé. Non, son pays n'a fait désir. Fond d'accord, ça. On a qu'à changer mon jeu, même. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas de changer désir. Faut pas changer. En tout cas. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Ariel t'a dit ça, Ariel échoué. Gaïkoni échoué. Alex dit j'ai fils aimé, honnêtement. Même si la gaïla. Non, je ne vais pas commencer. Mais si vous avez un gros défi, ça permet que tout le monde capable de circuler comme ça doit. Je ne vais pas dire mon frère, peuple la fier. Il y a ceux qui n'ont pas regret que vous avez remplacé. Ou t'es remplacé Gaïkoni. Vous me dites ça bien. Zèle 4 négociations, on approche, monsieur mon cher. N'a pas négocier avec lui. Ça ne pas oublier que le conseil présidentiel pour négociation. Gaïkoni t'a fait tête raide. Bon, en tout cas, si c'est ça que vous voulez faire, bah on est, laisse ça, puis devant. Mon gibra est monté comme pouvoir légitime, non. Libra gibra est normal. Mais si, je me dis bien, Ariel Henry échoué dans la question pour dire, mon gibra est qu'il est libre. Gaïkoni dit, l'État prend et contrôle le pays, en quartier, maison, il échoué. Encore, vous venez pour dire que, mon gibra est capable de s'équiler libre. Peuple haïtien attend ça. Il y a besoin de circuler dans l'entrée nord-pays, dans l'entrée sud-pays. Et dans tout pays, il y a besoin de circuler. Diaspora a besoin d'entrer. Diaspora a besoin de récupérer bien. Diaspora a besoin de faire business en Haïti. En souhaiter, en espérer ça, dit défis aimé. Dans ce sens, moi, j'ai une pensée spéciale pour toute victime mauvais acte, bandit, qui continue à s'immer tristesse. Ak dey nan mitan population. Yon population ki victime. Deux fois. Sak mouri en bas bal criminel. Sak blessé. Femme, jeune fille. Ke yon violé. Et puis ki oblige quitter kayo. Le yon pa boule yo. Nou pa ka fè men jen sou maman petite. Qui courit, qui était tout ça, ils ont construit
pendant toute la vie. Yo mette tout force courage yo de yo et même l'école yo pa ka voye petit yo jodi a. Ça qui passe dans pays a spécialement dans Solino, Kafoufei, Akaye, dans Ponsonde, à Clester, à tout reste pays a pas acceptable. Mise en place Conseil national défense et sécurité ak permettre nous joindre bon gens et stratégie cap impliquer toute force sécurité pays a en collaboration avec force multinationale là. C'est comme ça n'a bail une réponse globale à insécurité a. N'a rappelé tout haïtien à la ronde bade femme tant que garçon moun en dedans tant que moun dehors à moun qui dans business quel petit quel gros. Travail gouvernement, c'est organiser élection qui pas contestée. Faut que tout le monde pote coller. Politique d'addition. Nous tous, c'est haïtiens, c'est nous tous qui pouvons mettre ensemble. M'a pas dans clivage politique, m'a dans mon en haut, m'a dans mon en bas. Tout le monde a mis main et tout le monde a pris responsabilité dans le pays. Moi-même, c'est dans le chantier ça a venu. C'est ensemble, n'a privé bay pays a autorité qui a légitimité pour prendre décision. Situation malouk, mais en rien, pas impossible. C'est pour ça, m'a lancé un cri rassemblement pour nous coller les épaules, pour succès, car pour tout le monde dans le pays. Faut nous continuer à gagner la foi dans le pays d'Haïti. C'est pas moment pour nous désespérer. Pabli et tout, Alix Didier Fizeme, d'accord, et pas moment pour nous désespérer, mais en plus, on attend que Alix Didier Fizeme, pour si elle qu'elle peut le voir, en plus, on attend qu'elle commence à voir dans le secteur que vous voyez. Secteur que vous représentez, alors secteur que vous identifiez avec l'IA, qui c'est secteur privé la bourgeoisie. Parce que je dis, et en plus, on trouve que vous n'avez plus gros tort. Secteur de pays à faire, c'est secteur privé. C'est eux-mêmes qui ont franchise douanière, c'est eux-mêmes qui ont port, et vous faites pile à matin dans le pays. Et pour aujourd'hui, le plus gros problème dans cette insécurité, c'est d'abord lancer SIAL, vous voyez, le secteur parlant, qui c'est secteur privé à désir. Bon, la situation. Je dis moi-même pas que le problème Haïti est fait redémarrer. Parce que changer un premier ministre ou bien changer un gouvernement dans un contexte qui est difficile, côté tes possibilités pour détat exécutif de chercher joindre entente sur un terrain pour te résoudre problème non, parce que pas oublier équipe ça qui vient fraîchement tout neuf, il prend le besoin un temps d'évaluation. Même jeune t'a dit que Garigoni est venu avec équipe li, il prend un temps, il était sous-évalué et dans minute côté de venir il était commencé à comprendre côté lié. Alix Didier Fizeme comme qui part dans pays à tout, est-ce que il était évalué problème qui gagne dans pays à? Parce que moi en l'air un discours. Un discours qui pas convaincant. Un discours qui pas une forme, qui pas une forme. Par contre c'est mon cap li là qui m'a présenté mais moi-même m'pa wè form, m'pa wè fond dans discours. À moins que li gade on promesse. C'est sécurité, élection, ça ou c'est chantier qu'il la donne. Et l'autre bagaille, li déclarer qu'il pas dans clivage politique, question en haut à en bas. Si pas gen en haut à en bas, nous croit que li pral permettre que ça songe. Parce que ça tout partout on annonce mais personne. Parce que nous même c'est analyse qu'il a fait. Si pas gen en haut pas gen en bas, je dis zone yo rele en bas yo. Ces quartiers populaires, qui ont des jeunes garçons qui ont des âmes dans les mains, qui ont théorisé la population, est-ce que ils pas tout annoncé un possible dialogue que le conseil présidentiel a demandé avec les qui ont des âmes? Est-ce que ce n'est pas ça qui a annoncé? Non, pas en haut, pas en bas. Est-ce que ce n'est pas principalement un dialogue ou bien annonce qu'elle a tout fait? Question de qui ont l'argent, elle connaît qu'elle n'est pas quelqu'un de vrai. Parce que les qui ont l'argent qui est dans le secteur privé des affaires, yo mette tête yo nan niveau élite là, yo pa d'accord pour descendre pour venir venir ça qui ba yo parce que c'est au détriment de ça qui fait bio
politique économique li basé sou peyi a. Tant que nous sommes dit, qui est-ce qui gagne pour privé? M'ba quoi c'est moun ki en bas? Qui est-ce qui gagne franchise douanière? C'est pas moun ki en bas? Qui est-ce qui cap fait armes rentrer dans le pays a? Qui a vendre munitions? Est-ce que 11 familles c'est dans classe en balier? M'ba quoi? OK? Et pas oublier les personnes. Gagne divers nèg qui dans secteur privé des affaires qui pratiquent sous grosse sanction depuis après l'amour Jovenel Moïse, gagne qui d'ailleurs? Le cas de Reginald Boulos, c'est pas dans le pays. Dimitri Vob, côté, il pas dans le pays. Et si vous regardez, vous regardez ça, si photo que vous avez, Alex Didier Fizé, mais avec Antonio Cherami, Don Kato, vous avez un pile de monde, songez, pour mener le pays à côté de la 49e, 50e législature, nek sa yo, yo pas innocent. Je dis, nous avons besoin de responsabilité nous face avec ça, Kabin là. Moi-même, Blaise, depuis, nous avons venu au Conseil présidentiel de transition, monde qui était pour garder nous dès le début, yo cap témoigner que nous te dit c'est une autre frange qui augmente dans crise que pays a prendre changement gouvernement c'est continuité crise la baisse personne ou pas ka ba résultat avec trois volets qui dans conseil présidentiel transition en plus monde ka dit mais désir ou c'est journaliste pas ka parler même avec les profanes mais c'est pas moi qui dit OK c'est vrai pas un rapport de justice ILCC c'est une institution qui l'a pour mener enquête même avec ICREF dans le pays a. OK, cous période compte sous question corruption. Eh bien, ILCC, Conseil présidentiel yo, t'est impliqué dans scandale, yo décidé porter tête yo by ILCC. ILCC tendé, li délivré, li dit li prouvé gain acte de corruption, li mandé mettre action publique en mouvement contre trois conseillers ça yo. Blaise ou quoi que ou cap tendé non voice que nous confrère nous dans tripota mettre dehors côté Emmanuel Vertilaire a plaint ministre justice ça pas prendre défense la présidence. OK? Il dit lui-même c'est juge d'instruction. Juge d'instruction pas qu'on invité. Faut qu'au moins on ta cligné. L'arrivée dans niveau ça, tout ça c'est des preuves qui montent que nèg yo. Non question voler et question BNCA. Et je dis nèg yo arrangé yo, yo font cellule mafia comme secteur privé des affaires là, c'est mafia qui la dedans. Conseil présidentiel qui fait office la présidence, yo constitue un clan mafioso, yo continue écraser pays là. Yo venu avec un chef gouvernement songez que n'était parlé avec un citoyen qui proche KPTA qui montre un problème que yo gagne c'est parce que van corruption il était anti Jean fermé vis-à-vis avec position que Gary Koni était prend. Je dis Gary Koni peut-être victime parce qu'elle s'est PHTK parce que ses amis PHTK 41 51 même temps mais le va regarder dans ensemble de matchs ou plus ouais une sérénité de bataille d'avenir pour remembrer la police remembrer la médaille moi c'est la première. Par contre, si je ne vais pas tromper puis devant. Mais moi, c'est l'ami. Dans toute démarche, c'est permettre que la médaille ici, permettre que la police joue un moyen nécessaire. Et si je ne utiliser la police sans au fait personnel de mon qui fait office de la présidence pour la primature de la situation. On continue à avancer avec Alicia Didier Fizeme. Courage, courage, père. On peut bluffer, monsieur. Mais c'est que vous mourrez, t'as dit le courage. Ouais, pas crier, PM. Gaïe Koni te crier tout, monsieur. Gaïe Koni pas crier pour le sortir dans le jeu, mais Gaïe Koni, il a parlé dans le voile, monsieur. Ouais, c'est un qui t'a crié tout. Mais en tout cas. Mais Blaise, c'est des. Nous connaissons les gens qui ont mouru dans le funéraire là, et on a crié, puis, proche famille, amis, qui affecté par d'elle là tout, qu'on a souhaité au courage. Pourquoi ça d'elle là, des yeux? Même dans la salle là, là, quelle est la gueule qui a pas. Va mettre des délais, frère. Pas mettre oui, de la ouais, je dis un problème parce que son pays a besoin parce que nous monde ça c'est Haïti m'gagne pas pays des riches c'est Haïti m'gagne comme pays et c'est la vie des membres premiers c'est là pour me faire dernier demeure moi mais imagine comme si des Ivenes quand c'est négo résumé pays en abolotio négo résumé pays en bluff capeté sous bluff PM sous bluff politicien sous bluff DG la police sous bluff et comment j'ai commandant l'armée sous bluff mission en sous-bluff irait. Les qui disent et manger à chercher. Est-ce qu'on caresse mon pays en chercher manger? Qui est la chita pour nous faire un pays, pour nous penser pays, pour nous faire un pays d'Haïti? Hein? En tout cas, mon cher, les gars crient comme je vais essayer de gagner. Courage, courage. Pourquoi tu voulais? Pigo dette, gouvernement que je vais pour me diriger. Bergen envers population, c'est sécurité avec élection. M'a répété, si gros dette gouvernement Bergen pour me diriger, c'est sécurité, élection.
Il est crucial de rappeler que la mission première de tout pouvoir de transition est d'organiser les élections afin de doter le pays d'autorité politique légale et légitime. Mon gouvernement s'engage à garder tout ce qui a été bien fait. Vous expliquez émotion, Imen. Je suis job, comme si on a quitté dormi, et puis on a dit, hey, t'es allé, et puis il tout pas dormi. Et améliorer ce qui le mérite. En ce sens, nous devons doter toutes les institutions étatiques appelées à concourir au rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections de tous les moyens et de toutes les ressources indispensables à l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, la croissance négative se renouvelle indéfiniment à cause de nombres incalculables d'entreprises obligées de fermer leurs portes ou de fonctionner au ralenti. La relance économique est au rang de nos urgences. Les secteurs créateurs de travail dans l'agriculture, le commerce, l'industrie ou les infrastructures doivent trouver soutien actif de l'État. Je m'y efforcerai. Pour y arriver, la sécurité s'avère indispensable. L'accord du 3 avril sera mon guide. Conformément aux prescrits de la Constitution, je m'engage à travailler sans relâche pour l'harmonisation des deux branches de l'exécutif en vue d'une cohésion qui garantira la sécurité vers le chemin des élections. Mon gouvernement aura pour boussole la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Nous travaillerons à la cohésion sociale, condition nécessaire au rétablissement de l'État et à la réalisation d'élections inclusives, transparentes et démocratiques. Telle sera la démarche qui dotera l'État d'autorité constitutionnelle et légitime. J'insiste et je prends l'engagement solennel d'additionner toutes les forces vives de la nation et toutes les classes sociales afin que nous puissions ensemble gagner le pari, remettre notre cher Haïti dans le concert des grandes démocraties. À cet effet, j'appelle tous les fonctionnaires et agents publics, qu'ils soient civils, policiers et militaires, à me fournir leur plein support en ces moments difficiles. La réussite ne peut être que collective. Je compte sur l'engagement et l'implication de tous et de chacun. Enfin, j'invite nos amis et partenaires de la communauté internationale à supporter les appels du Conseil présidentiel et du gouvernement pour une coopération efficace tenant davantage compte de l'urgence sécuritaire et humanitaire. Le peuple haïtien mérite paix, stabilité et développement durable. Chayla Lou, en nous mettez main. Anko les épaules pour yon lot Haïti. Merci. Bon, et DJ Fizeme, ou gen gros chay sou do pou vin atterri et à côte 3 avril là. Et parce que c'est lui même et parce que li a gay koni pas de atterri li. Mais kounya y a tande que y a tande ko vini pou vin atterri. Et chay la lou vraiment, y a peu de potil. Mais peuple haïtien pas qu'attendre encore parce que patience li bout. Parce que li gen longtemps l'attendre depuis sou Ariel Henry l'attendre. Ariel passe la bêtise. Kapiti a vini là avec tout Gary Koni pendant 6 mois. Mm-hmm. Yo passe la bêtise. Ou vini là, ou vini aider Kapiti. Y a tant que ou bay résultat avec Kapiti parce que pas capable encore. An vini kounya avec Leslie Voltaire qui c'est et coordonnateur Kapiti en un moment. C'est civil. Monsieur le commandant vif de la nation, d'arriver à conjuguer les efforts et les capacités afin de maîtriser et dépasser les grands problèmes auxquels fait face le pays. Le Conseil présidentiel de transition a conscience de la grande responsabilité qui lui incombe de faire aboutir la transition
avec des résultats concrets dans les 5 principaux chantiers définis dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée. Mes collègues et moi, nous nous sommes mis au travail avec un engagement patriotique à la hauteur des défis de la conjoncture et des attentes légitimes du peuple haïtien pour l'amélioration de ses conditions de vie. Nous avons fait choix et de notre mieux et nous nous engageons à poursuivre nos efforts jusqu'au terme de notre mission le 7 février 2026 pour maintenir cette cohésion et la sérénité dans la conduite des affaires de l'État. Nous sommes plus que jamais convaincus que les luttes politiques stériles, dominées par la satisfaction des intérêts de clans, ne font toujours qu'empirer la situation et prolonger la douleur et la souffrance de la population. Là, ce n'est pas les des politiques d'intérêt de clan, mais là, en tant qu'APTA, là, c'est un pire problème qu'APTA. Son politique d'intérêt du clan, oui, les Steve Voltaire. Parce que, pas oublier, chaque conseiller, yo, c'est le secteur qui vous est, c'est le parti politique qui vous est, et toute partie ça en majeure partie, toute partie ça en majeure partie, yo fait connaître que nous ba au coup d'État. Ça veut dire que, yo même qui dévoyé nous, nous virer de ba yo. Et je dis en la, gon bataille pour dire que c'est mon plus gros parti et mon plus gros clan. La question KPT et puis et question gouvernement connecté là. C'est une question de chef, une question de clan qui a géré. Et c'est, n'a remis vraiment ou l'heure, politique là, ni la politique pendant le pays. Parce que dès que vous parlez d'équipe moins, dès que vous parlez de bord moins, dès que vous parlez pour moi ou pas capable, là, pas capable de côté. Parce que c'est la plus gros chef là, ou pas décidé de se mettre avec moi, mais c'est qu'à privé ou. Et je dis à tout autant que nous étions dans la politique là, ni ça. Question, moi c'est Intel, femme qui a Intel bon côté, parce que Intel c'est clam. Moi pas gagné Intel, Intel pas de la même. Je dis, parce que c'est parce que nous avons des années, c'est politique clanique qu'on n'a pas appliqué qui mettait pas à côté de la désivenesse. On avance avec Lexi Voltaire. Et prolonger la douleur et la souffrance de la population. L'heure est venue en Haïti de penser et de faire la politique autrement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 9 membres du Conseil présidentiel avaient renoncé au choix d'un Premier ministre issu de leur famille politique. Nous avons nommé un Premier ministre et un gouvernement représentatif des différentes sensibilités politiques et sociales de la nation. Quelques mois après son installation, la nécessité s'est imposée d'apporter rapidement certaines corrections, toujours dans le souci de garantir, dans l'intérêt commun, la pleine réussite de cette expérience démocratique et consensuelle. Pour le Conseil présidentiel de transition, il y a urgence d'agir vite, d'agir bien, dans le respect des lois de la République et dans le sens du renforcement des institutions républicaines. Nous pas arrêter un pile temps devant nous. C'est qu'il y a pour corriger ça, doit corriger pour ne pas perdre transition ça. Nous avons opté pour des changements au niveau du gouvernement sur la base de l'expérience des derniers mois. Il n'y a pas eu que des difficultés et des obstacles. Nous avons franchi des étapes importantes avec le Premier ministre Kony et je salue son courage et sa détermination. Nous avons jeté des bases intéressantes qui permettront au nouveau Premier ministre d'avancer avec les chantiers de la transition. J'ai été personnellement attiré par les qualités et les compétences de plusieurs membres du gouvernement sortant. Je prends plaisir, encore une fois, à saluer leurs efforts et leurs contributions. Monsieur le Premier ministre Fils-Aimé, je veux avant toute chose vous féliciter pour avoir bénéficié de la confiance des membres du Conseil présidentiel de transition. Le choix porté sur vous pour poursuivre la conduite de l'action gouvernementale pendant cette période de transition a été fait parmi plusieurs autres personnalités présentant des profils intéressants tant par leur expérience des affaires de l'État que par leur honnêteté. Nous nous félicitons de ce que le pays dispose de tant de ressources disponibles et dévouées. C'est pour vous dire comment, dans cette haute fonction à laquelle vous êtes appelé, comme le souhaite le Conseil présidentiel de transition, vos actions doivent s'inscrire dans une démarche inclusive qui permettra au pays de profiter de cette grande richesse que constitue ce réservoir de ressources humaines. Haïti, à ce carrefour, il ne faut jamais l'oublier, a besoin de tous ses enfants, des bons enfants.
Les regards, monsieur le Premier ministre, sont désormais portés sur vous. Attendez, si monsieur dit bon enfant, bah vous le viens de dire là. Mais guette-toi conseil dans le conseil avec pas bon monde, qui va bon petit monde. Là, si. Parce que moi, monsieur Fini, monsieur, ses enfants, ils mettaient bon comme adjectif qualificatif. Mais qu'on n'a pas les deux bons. En d'un conseil, il y a trois nègres. Parce que la société à ULC, c'est pas qualifié de bon petit monde. Qu'on n'a pas compte qui ça, il s'est volé à parler lui-même. Étant donné que chaque changement à la tête du gouvernement produit un sursaut d'espérance, il faut dès maintenant considérer que le temps de grâce qui vous sera accordé sera réellement court. Point besoin de vous rappeler combien les attentes sont urgentes et nombreuses. Le temps n'est ni aux promesses, ni aux propagandes mensongères. Vous serez évalué par la population, je le prévois déjà, dans votre capacité à adresser méthodiquement et concrètement les problèmes quotidiens urgents des Haïtiens et des Haïtiennes. Cela demande de travailler étroitement avec le Conseil présidentiel de transition, avec les corps constitués de l'État, les organisations de la société civile, les syndicats, les organisations paysannes, les partis politiques, le secteur privé des affaires et la communauté internationale. Dans un climat de parfaite cordialité, de grande convivialité et de respect mutuel, pour constituer une équipe gouvernementale cohérente et consciente de ses responsabilités. Le Conseil présidentiel compte beaucoup sur vos capacités pour supporter ses efforts dans la recherche de la stabilité, de la paix sociale, en vue d'apaiser l'atmosphère pour la tenue d'élections crédibles et inclusives, indispensables au progrès économique et social du pays. Le Conseil électoral provisoire, installé il y a 3 semaines, a besoin de moyens suffisants pour commencer à fonctionner. Les conditions de sécurité doivent être établies sans délai pour la bonne organisation du référendum sur la réforme constitutionnelle et des élections d'ici la fin de l'année 2025. On ne peut pour aucune raison rater cette échéance. Monsieur le Premier ministre, vous allez malheureusement trouver une administration publique confrontée à certaines difficultés, des institutions techniquement déconcentrées, incontournables pour le fonctionnement de l'État, poursuivent une grève à laquelle il faudra trouver une solution. Nous devons trouver la formule susceptible de donner rapidement un nouvel élan à l'administration publique. Dans ce même contexte, il faut préciser comment il est plus qu'urgent de travailler ensemble pour, entre autres, la mise sur pied de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, du Conseil national de sécurité, CNS, ainsi que la désignation de nouveaux directeurs généraux des organismes autonomes et des agents intérimaires et des agents intérimaires à la tête de certaines municipalités. Nous avons la gestion des affaires de l'État à un moment où jamais auparavant l'administration n'avait enregistré de si grandes difficultés. Il faut rétablir la confiance dans nos institutions. Cela demande une grande transparence, l'amélioration substantielle de la qualité des services offerts, mais aussi l'envoi de signaux clairs quant à l'engagement du gouvernement à poursuivre la lutte contre la corruption. La réussite de votre gouvernement passe par une administration publique forte, organisée et cohérente. Sur ce, monsieur le Premier ministre, bon travail, bon succès, mais surtout mettez-vous à la hauteur des nombreuses attentes des 12 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes. Je vous remercie. Bon, et les 6 Voltaire qui montrent qu'il y a avec... bon, le Val Vance, c'est pas blé, me disons ça, que vous m'avez dit me sauver. Que les et comment DJ Fi Al DJ Fi Zeme monsieur c'est bon ça c'est exactement et ça c'est exactement c'est pour le yon pou pétrole de monsieur Capeteo monsieur dame Capeteo vont dire bagala bien parce que c'est juste on dit bien d'ailleurs il pas même là même c'est le relé li et puis li juste vini il vient faire job blanc mais au fond il connaît bien que job là lui-même li pas aussi facile pour lui et dans ce sens ça des Venesse ah gagne
Camille Edouard Junior, qui est même secrétaire général, alors, bon, par contre, c'est un peu Kembil, comme c'est secrétaire général de la primature, mais tout de suite après, nouveau premier ministre a installé dans la poste, dans la présidence officielle du premier ministre, non, dans Musso, secrétaire général primature Camille Edouard Junior, qui était recevoir le promettre collaboration, tout employé, et pour aider le remplir mission. Secrétaire général primature, Camille Edouard Junior, monsieur, rappelé, nouveau PM, non, gros, chantier Captain Lissi tout dossier insécurité. Camille Edouard Junior fait qu'on est, c'est une nécessité tout pour passer main dans l'administration publique là que les dit avec Alex DJ Fils-Aimé Desévenes. Qu'on va l'avancer, qu'on est capable de finir dans le titre encore. Bon, même pense que recevoir Premier ministre Alex DJ Fils-Aimé et tant que j'en ai dit, Camille Edouard Junior, est-ce qu'il y a Kembel? Selon information tout dit en pile dans ministre qui fait partie gouvernement koni en cap conduit et on va garder trop temps pour mettre gouvernement campé au complet. Je dis moi m'a dit est-ce que les pral on bagarre facile tant que j'en moi Alex Didier Fils-Aimé pour la question insécurité à son bagarre qui passe. Non état promesse qu'il fait aux citoyens. Parce que promettre que on va établir sécurité à travers axe routier yo côté criminel sans foi ni loi au contrôler et personne va contrôler nek ça aujourd'hui on fait ça ou veut ak ça hôpital dans l'air ou veut dans minute que ou veut dans jour que ou veut dans date que ou veut est-ce qu'elle peut aller un bagaille facile bien que gars connait pas tant dialogue avec gang yo est-ce que Alex Didier Fils-Aimé pour aller dans dialogue là et à partir de dialogue là ça va venir rendre qui tâche à venir facile pour lui de toute façon comme autant de discours actuel coordonnateur conseil présidentiel de transition, il montre que il y a prétend en collaboration franche, mais nous tout on déjà ouais, quelle était en collaboration franc dans tout niveau, ou bien c'est servi qui va servir avec monsieur comme le type pour pétrole, comme majorette pour faire ça oublier avec ça hôpital, conséquence c'est pas l'autre groupe qui a payé, c'est peuple haïtien qui a continué payer, c'est diaspora qui a continué payer, c'est jeune garçon avec jeune femme dans pays qui a payé parce que ça. Merci à pile des Ivenes, vraiment. Léa fait nous la guerre, mais espérez que nous pas parler plus dans la journée dans l'émission. Parce que dès que un nouveau PM est installé, il peut commencer à mettre le travail. Et ceci dit, Désir, nous commençons à atteindre le résultat. Merci, Désir, la croisée, mon frère. Merci, Blaise. Merci tout le monde. Nous avons été fidèles avec mes sacs nouvelles. Nous continuons à être pour nous informer.